Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la palette, une palette 4 looks avec la Glitch, donc la prologue de Glitch Beauty, la marque de Mario Chameleon. Je vais essayer de ne pas parler très fort parce que j'ai chopé les microbes qu'il y a dans le bureau. Voilà, donc 2 sur 5 étaient malades, même 2 sur 4. Et du coup, bah forcément, c'est un peu inévitable hein, quand vous êtes dans un bureau, que les fenêtres sont fermées, les microbes véhiculent. Bref, mais du coup, ça va, ça fait un peu mal, mais c'est relatif. Mais du coup, je vais pas non plus forcer énormément sur ma voix. Ça va vous changer. je vais peut-être un peu zoomer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que j'ai une tête, mais... Et j'ai pas bien dormi, je me suis habillée assez tôt. Enfin bref, du coup, sympa. Donc voilà, là vous allez voir les 4 looks d'un coup. Je vais pas vraiment parler. J'ai déjà un avis en fait hein, sur la palette. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vraiment vous filmer, enfin vous mettre en accéléré le tuto des 4 looks. Et je vous dirai du coup mon avis final à la fin de la vidéo. On va même en parallèle faire des swatchs avec les deux palettes. Voir s'il y a des ressemblances ou pas, du coup est-ce que ça vaut le coup pour vous de l'acheter si vous avez déjà les deux palettes de Marion Caméléon. Enfin voilà, on va partir là-dessus. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true.
for something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day.
find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really... Voilà pour le dernier make-up de la semaine. Alors, pour résumer un petit peu, j'ai vraiment pris du plaisir à utiliser cette palette, notamment sur la texture des fards mat, que je trouve vraiment d'une très bonne qualité. Peu importe le fard que vous allez utiliser, que ce soit des fards nude, des fards orangés, des fards qui sont quand même plutôt faciles à estomper pour cette partie-là, que ces fards-là, tous s'estompent vraiment très bien, même certains un peu trop bien, puisque il faut venir rajouter de la matière, c'est tellement émollient qu'il y a une disparition du fard. Je vous en avais montré quelques-uns, notamment ce fard-là qui s'estompe très facilement, un des fards bleus aussi, enfin bref. Donc on a quand même des très bons fards mat qui font que l'utilisation elle est vraiment sympa au quotidien. Est-ce que ce make-up est mon préféré de la semaine? Oui. Non pas par la couleur, alors même si j'adore le violet, le rosé, le bleu, enfin tout ça, j'adore cette harmonie, c'est pas le problème. C'est que je trouve que c'est un des maquillages les plus contrastés, les plus foncés que j'ai pu faire cette semaine avec cette palette. Je sais pas si... Je pense avoir une idée. Est-ce que ce sont les fards foncés qui ne sont pas assez foncés ou est-ce que ce sont les fards lumineux qui sont trop foncés? Je pense que c'est un peu... 50-50, les lumineux je trouve qu'ils sont trop foncés. Vous n'arrivez pas, vous allez voir mes 4 looks, je trouve, en tout cas à part celui-ci, je trouve que pour les 3 autres looks que j'ai réalisés, et le premier avec la revue, le coin externe, il n'est pas ultra foncé dans l'arc-en-ciel. Bien sûr que j'aurais pu contraster encore plus avec le noir, mais c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais contraster avec une dominante foncée de l'harmonie que j'avais choisie. J'ai fait un make-up vert, donc avec ce fard là, et bien j'ai même demandé à mon conjoint, est-ce que tu dirais qu'il y a 2 fards différents? J'en avais pas mis que 2, mais 2 fards différents. Il me dit non. Non, ton coin là, il fait non, c'est pas foncé par rapport à ton coin. Il fait c'est foncé, mais si tu compares avec le lumineux, c'est la même. C'est le même contraste. Voilà. C'est la même intensité de fard. Donc je trouve que ça manque soit vraiment d'une rangée encore plus foncée que celle-ci, soit de fards beaucoup plus clairs que celle-ci. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage avec cette palette, parce que finalement, j'ai jamais eu, à part celui-ci, un look où je me suis dit c'est quand même très foncé. Non, je me le suis jamais dit. J'ai tenté, voyez, de faire un make-up, vous l'avez vu, hein, assez nude, donc avec ce fard-là et ce fard-là, mais je voulais quand même quelque chose d'impactant, même si c'était nude. C'était pas important. Voilà. Donc j'ai été un peu déçue de réaliser un fard nude avec. Enfin, de faire un make-up nude avec. Vous allez me dire, c'est pas l'objectif de la palette. Je vous dirais, c'est vrai, c'est une palette colorée. Mais ça ne justifie pas, le fait est de ne pas pouvoir faire un make-up nude intense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avoue que je suis un peu déçue qu'on ne puisse pas mettre un lumineux et faire un contraste dans son harmonie aussi foncé que je voudrais le faire. Donc ça m'a vraiment un peu chiffonné cette semaine, vraiment. À chaque fois je sortais avec mon make-up et je me disais bah oui, c'est joli, mais c'est pas ce que je veux. Je trouve qu'il y a des... Alors là, les lumineux que j'ai utilisés en superposition, j'aime énormément. Vraiment, j'aime énormément la superposition que j'ai faite. Donc j'ai utilisé, vous avez vu, hein, ce rose-là fuchsia, une fluo magnifique. Et en superposition, j'ai mis celui-là. Donc ça lui donne vraiment une couleur totalement différente. Et du coup, ça, j'aime énormément. Je pense que je vais pouvoir vraiment m'amuser sur des fards lumineux en superposition de mat. Mais de faire des dégradés comme j'ai l'habitude de faire avec le lumineux et le mat construit en coin externe, je pense que c'est pas la palette la plus adaptée pour ça. Pour faire des dégradés mat lumineux. Dans ces cas-là, choisissez une autre palette. Je trouve pas que ce soit la palette la plus adaptée pour ça. Après, c'est très agréable d'avoir des mats qui fonctionnent très très bien, c'est pas le problème. Mais les lumineux, moi je trouve qu'on aurait pu avoir des choses
mieux que ça. Je pourrais l'argenté, il est très très bien. Franchement, l'argenté, il est pigmenté. Enfin, franchement, il n'y a vraiment pas de problème avec l'argenté. Le vert, là, ici, duochrome. Honnêtement, je pense que j'aime même meilleur dans une autre palette. Parce que là, il est duochrome, mais finalement, pas tant que ça. Alors, attendez. Parce que je crois que celui-ci de Blend Bunny, vous voyez, il lui ressemble un peu. Mais lui, c'est un vrai, vrai, vrai duochrome. Hein. Là, c'est un léger duochrome. Franchement, le shift vert que vous avez largement voilà, dans cette palette, il est très, très subtil. Alors, on le voit direct. Hein. Donc, prologue de Glitch Beauty, Blend Bunny. Je vous fais le swatch sur ma main. Il est tellement beau. Mais ça n'a pas de comparaison. L'autre, le Blend Bunny, je l'ai à peine swatché. Vous voyez que... Bon bah le shift vous le voyez à fond. Là le shift on le voit pas vraiment. Maintenant ça vous fait des make-up plus discrets on va dire, si vous aimez les faire discrets. Mais je trouve que pour une palette qui se veut colorée, on aurait pu avoir des lumineux de meilleure qualité. Moi je vous le dis, j'aurais préféré moins de fards dans ce cas là et d'avoir des fards plus qualitatifs. Avoir une palette aussi complète c'est sympa. Mais franchement est-ce que vous auriez pas préféré une palette avec moins de fards mais avec une qualité de lumineux supérieure? Parce que c'est pas les mattes que je reproche. Alors bien sûr je trouve que certains sont peut-être pas assez foncés comparés aux lumineux, mais il aurait peut-être fallu éclaircir les lumineux ou, comme je le dis depuis le début, de rajouter une rangée de lumineux mais du coup plus clair, avec peut-être que des fards topper. Ça aurait été mais trop génial de faire ça. Et je trouve ça dommage d'avoir favorisé autant de mattes à défaut des lumineux en fait. C'est un peu comme dans sa palette Sephora. Les deux palettes Sephora, les lumineux sont pas trop intéressants. Ce qui est intéressant, ce sont les fards mattes. Donc je l'aime bien, mais les lumineux, encore une fois, je trouve que c'est pas ce qui est le plus fou dans sa palette. Voilà un petit peu mon avis sur la palette Glitch Cosmetics. Je pense que c'est suffisant. Vous avez vu les 4 looks. Ce que je vous dis en définitive, c'est une bonne palette, mais si vous la choisissez pour les lumineux, je vous la déconseille. Voilà. Si vous la voulez pour les mattes, parce qu'il y a beaucoup de couleurs assez différentes, que vous pouvez faire du pastel, du fluo, du foncé, que vous pouvez vraiment vous éclater en termes de couleurs, choisissez cette palette qui se travaille mais à merveille. Si vous voulez accentuer sur les lumineux, vous allez être déçu. À moins que vous aimiez travailler en superposition, parce que ça va rajouter des paillettes, des reflets. Le bleu, il est inintéressant comme ça dans la palette. Et sur un fard, regardez sur le fard bleu comment il est beau. Je le trouve beau en superposition, mais je le trouve pas beau en dégradé. Voilà. On va déjà faire le tour de la première. Je crois que c'est la première, celle-ci, ouais. Je vais essayer de voir s'il y a des doublons. Et je vous dis ça. Ils sont assez semblables. Je dirais que Glitch, qui est juste ici, est plus pigmenté déjà, plus intense. Et il est plus chaud. Vous voyez, il y a une petite pointe de jaune à l'intérieur, tandis que lui, il est quand même plutôt froid. Vous voyez? Mais ils sont assez semblables, sans être franchement des dupes. Ensuite, donc là, vous avez Azur et là, vous avez G19. Franchement là ce sont des dupes exactes. Par contre celui-ci encore une fois il est plus en transparence que celui-ci. Du coup là je vais comparer avec celle-ci qui est la deuxième du coup palette. Bon, je crois qu'il n'y a que le fard caméléon dans les lumineux. Elle a indiqué que c'était le fard pour donner parce qu'en fait il avait été vraiment apprécié. C'est exactement le même mais ça elle l'a dit donc il n'y a pas de surprise. Là hop. C'est le fard doré de la palette Glitch. Là, vous avez le fard nouille de la Sephora. Et là, le fard Daphné. Honnêtement, je préfère ces deux teintes-là à ce fard-là. Donc là, vous avez des rouges similaires. Ça, c'est Glitch. Celui-ci, c'est Vidéo. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la teinte, elle est très, très belle. Là, vous avez le G13. Et là, vous avez Maintenant. Non, partenariat, rien à voir. Bah, vous voyez, il est de meilleure qualité celui-ci. Celui-ci, regardez. Il disparaît. Il disparaît. Lui, vous voyez, je l'estompe. Bah, il s'estompe. Lui, il disparaît vraiment, quoi. Il est moins... C'est étonnant, mais il est de moins bonne qualité. Celui de Glitch. Enfin, il est... En fait, est-ce qu'il est de trop bonne qualité?
Ou est-ce qu'il est de moins bonne qualité? Vous voyez, tout est là parce que bah, il s'estompe très bien, Stéphanie. Oui, mais par contre, il s'estompe trop parce qu'à la fin, on ne le voit plus. Donc, bon, là, il n'y a pas de comparaison, hein, aucune possible. Hein. Donc là, vous avez celui de Glitch qui est magnifique, qui renvoie de la lumière, qui est limite un peu blanc. Et là, bon, vous avez celui de Sephora qui est bof. Alors, je disais, donc, on a franchement pas beaucoup de récurrence, de faire totalement exact. Est-ce que c'est possible de faire le même make-up que j'ai fait là? Franchement, c'est peut-être possible. Alors maintenant, on n'a pas un bleu comme ça, mais on pourrait peut-être essayer de se débrouiller pour faire quelque chose de similaire. Bon, on n'a pas tout à fait ça, hein, mais bon, bref. On pourrait pas reproduire tous les mêmes looks parce qu'il y a vraiment des vraies différences. On pourrait être plus ou moins proche, ça c'est carrément possible. Je vous disais dans le zoom, mais finalement je vais vous redire maintenant parce que c'est quand même mieux à voir. Ce fard là, moi je le trouve pas beau. Dans le sens, attendez, je me redresse. Donc, je vous disais, dans, je faisais un zoom sur les dupes entre guillemets. Ce fard doré, je le trouve vraiment pas beau sur la paupière. En fait, il y a des grosses paillettes à l'intérieur. Les fards, le fard est un peu grossier. Franchement, j'ai fait mon make-up et je me regardais et je me disais, mais vraiment, c'est pas fin du tout, c'est pas beau en fait. Ça fait pas d'effet de matière sur la paupière. Ça fait pas, ça marque pas vos défauts de paupières, etc. Mais vous avez des gros schnucks de schnucks. Bon bref, vous avez compris. Des grosses paillettes hyper. Enfin, pas joli en fait sur la paupière. Donc, il y a du plus, franchement, il y a du plus dans cette palette. Il y a du moins. Les moins, pour moi, c'est les lumineux, hein, vraiment. En superposition, comme je l'ai déjà dit au moins 3 fois, il fonctionne vraiment bien. C'est vraiment très joli. Maintenant, si tu veux faire un dégradé sans mettre un fard par en dessous, ils sont pas folichons, folichons. Parce que là, le make-up, il l'envoie quand même, il est quand même intense. Mais si tu ne fais pas de superposition, c'est un peu laid. Enfin, c'est les, non, c'est pas les, mais c'est quelconque. Par contre, en superposition, c'est pas mal. Donc, je pense que je l'utiliserai plus dans cette idée. Maintenant, si vous avez une palette arc-en-ciel que vous adorez, vous trouvez que c'est une bonne qualité, naninana, je vous conseille pas particulièrement cette palette parce que elle est bien, mais ça vaut pas de l'acheter si on enlève le fait que c'est Marion qui a créé cette palette. Marion, je l'adore, je trouve qu'elle est, c'est une super make-up artiste, enfin vraiment j'aime beaucoup. Maintenant, c'est pas pour autant que je vous dirais balancez vos 50 balles dans cette palette si vous avez une palette qui est plus ou moins similaire et que vous aimez vraiment bien. Si vous avez une palette arc-en-ciel, l'effort il s'estompe pas bien, franchement c'est pas foufou, bah, d'accord, je vous dis achetez cette palette, mais sinon non. Non. Voilà ce que je peux en dire. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, des 4 looks. Est-ce que vous avez testé cette palette et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte d'avoir votre avis parce que je suis peut-être un peu dure avec la palette. C'est peut-être moi qui suis exigeante. Mais honnêtement, j'ai traité cette palette comme je traiterai toutes les autres palettes que j'ai. Bien sûr que parfois il y a de l'affect, j'aime bien la marque, des fois on peut manquer d'objectivité, mais quand c'est bien il faut le dire, quand c'est moins bien il faut le dire, quand c'est moyen il faut le dire, donc c'est même pas pour saquer ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment toute honnêteté ce que je pense de cette palette. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner si c'est pas fait et à activer les notifications, j'oublie tout le temps celle-là. Quant à moi, je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.